Donc, le thème, c'est quoi? C'est quelle évaluation de risque hémorragique en pré-opératoire. Donc, on a vu avec le sujet appelé le risque thromboembolique. Maintenant, on va voir de l'autre côté de la balance, le risque hémorragique. Alors, comme vous savez bien sûr, l'hémorragie péri-interventionnelle augmente la morbidité et la mortalité post-opératoire. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs étiologiques. Il y a surtout la localisation critique du saignement. Ça peut être intracérébral, intraoculaire, intramédulaire, péricardique. Et il y a surtout aussi le deuxième facteur étiologique de mortalité, c'est l'instabilité hémodynamique engendrée par le risque hémorragique et les complications des transfusions. Donc, l'évaluation pré-op de risque hémorragique, c'est une étape indispensable de la consultation, ça c'est sûr. Élaborer dans le but d'élaborer des stratégies de correction péri-opératoire. Donc, on va voir ensemble le risque hémorragique qui est lié à la procédure chirurgicale et on va voir aussi le risque hémorragique qui est lié aux patients. Donc, il y a eu beaucoup de recommandations dans ce sens, l'ASPAR, ASA, etc. Donc, on va commencer par le risque hémorragique qui est lié aux patients. Donc, on divise ça sur deux parties, bien sûr. Donc, il y a des troubles d'hémostase qui sont acquis et on a des troubles d'hémostase qui sont constitutionnels. Donc, ce qui est fréquent, ça c'est sûr, c'est les troubles d'hémostase acquis en rapport avec l'utilisation des anticoagulants et des antiagrégants plaquettaires. Et c'est ce qu'on a trouvé, qu'un patient asymptomatique, sans histoire hémorragique, sans diathèse hémorragique, la probabilité qu'il soit porteur d'une anomalie constitutionnelle de l'hémostase, c'est un petit peu faible, c'est 1 sur 40 000. Ça, c'est lors de la consultation d'anesthésie. Maintenant, on va commencer par les anomalies de l'hémostase constitutionnelle. Donc, la prévalence, elle est estimée à 1% de la population. Ça, c'est des données françaises. Et on a trouvé que la maladie de Guilbron, c'est la pathologie la plus fréquente, suivie par les thrombopathies et les thrombopénies constitutionnelles, les hémophilies A et B. Et à la fin, on a les déficits rares en facteurs de coagulation. Donc la maladie de Guilbron, c'est la plus fréquente. Ça, c'est quoi? C'est un déficit quantitatif et ou qualitatif de facteurs de Guilbron. Il y a des scores pour cette maladie qui sont utilisés par les hématologues. Donc, quel que soit le risque chirurgical faible ou élevé lorsque j'endors un malade pour une chirurgie, lorsque le malade présente une maladie de Guilbron, le risque hémorragique est élevé quel que soit le risque chirurgical. Donc, on a proposé comme gestion de maladie de Guilbron l'utilisation des descompressines et l'administration de concentré de facteurs de Guilbron et l'acide tranexamique pour la gestion périopératoire hémorragique. Maintenant, l'hémophilie. L'hémophilie A, bien sûr, elle est plus fréquente par rapport à l'hémophilie B. Donc, il faut toujours chercher le contexte familial, ça c'est sûr, à la recherche d'une symptomatologie de diathèse hémorragique. On doit suspecter la maladie de Guilbron, la maladie de l'hémophilie à chaque fois on a histoire hémorragique ou un bilan qui retrouve un TCA qui est allongé au-delà de 1,5. Et c'est là où il y a l'intérêt de faire le facteur de 8 et facteur 9 pour détecter la maladie. Maintenant, c'est les troubles de l'hémostase constitutionnelle toujours. On est dans les thrombopathies et les thrombopénies. Donc la prévalence est 1 sur 30 000. La numération plaquettaire et le temps de saignement, et on fait aussi le test de fonction plaquettaire. C'est un test qui est fait par les hématologues à la recherche de l'activité plaquettaire. Donc on doit rechercher est-ce qu'il y a une thrombopénie et on doit voir la sévérité de cette thrombopénie. Aussi, il faut penser à rechercher les thrombopathies constitutionnelles. Ça veut dire j'ai un taux de plaquettes qui est correct. Mais en parallèle, j'ai histoire de diathèse hémorragique, il y a des ecchymoses spontanées par exemple. C'est là où je dois penser à cette pathologie, thrombopathie constitutionnelle. Et c'est là où je dois envoyer le malade vers l'hématologue pour qu'il confirme ou vous dire qu'il n'y a rien.
Maintenant, on a le quatrième élément des troubles de l'hémostase positionnelle. On a les déficits rares en facteurs de coagulation. Ça représente 3 à 5% des déficits congénitaux de la coagulation. Et le fréquent, c'est un déficit en facteur 7 et en facteur 11. Ça, c'est la chose la plus fréquente. Bien sûr, on peut avoir un problème de fibrinogène aussi. Maintenant, on va parler de des antiagrégants plaquettaires. Je ne vais pas trop m'étaler parce que Dr Lalaoui va parler après moi. Donc ça, c'est de tous les médicaments, les antiagrégants plaquettaires et leur site d'action. Donc la poursuite procédurale, ça c'est de façon générale, ça augmente le risque d'hémorragie, ça c'est sûr. Et ça, ça dépend de la procédure, est-ce qu'elle est invasive ou non. Donc on doit prendre en considération tout le temps le type de chirurgie et le type de traitement. Parce que le risque en rapport avec l'aspégique seul par exemple, ou en rapport avec l'aspégique associé avec un autre médicament, ça n'a rien à voir. Mais les études qui ont été faites pour les antiagrégants plaquettaires souffrent de problèmes méthodologiques. Donc on a remarqué que le risque hémorragique clopidogrel isolé par exemple, c'est faible par rapport aux anti-PI2 Y12, voilà, les nouveaux antiagrégants plaquettaires. Par contre aussi, on a remarqué que, quoique il n'y a pas d'évidence, que l'aspirine représente un risque faible par rapport à l'aspigine. Il y a eu cette étude qui a été faite c'est une méta-analyse plutôt, donc c'est une chirurgie urologique, prostate, on fait des résections endoscopiques. Et on a comparé entre arrêt des antiagrégants plaquettaires et poursuivre. Donc l'objectif, c'est de voir est-ce qu'il y a du saignement plus par rapport à lorsque j'arrête pas. Donc on a remarqué qu'il y a une différence qui n'est pas significative entre les deux groupes. Donc j'arrête ou j'arrête pas, il y a eu de taux de saignement presque similaires, malgré que c'est une chirurgie hémorragique. Malgré que les recommandations, parce qu'il s'agit d'un risque chirurgical élevé, hémorragique, on dit qu'on doit arrêter, bien sûr. Maintenant, on va juste surfer sur l'air central et les antiagrégants plaquettaires. Bien sûr que l'hématome périmédulaire, c'est une complication qui est rare, mais malheureusement, elle est catastrophique si elle se présente. Donc, les facteurs de risque, c'est quoi? C'est les troubles de l'hémostase, les ponctions traumatiques, lorsqu'on s'acharne à piquer le malade, et le sexe féminin. Donc, le risque élevé, lorsque j'ai une péridurale et lorsque je mets un cathé, ça c'est sûr. Donc, mais le risque est extrêmement faible lorsque lorsque le malade est sous anesthésique seul. C'est pour ça que c'est recommandé maintenant de faire une rachie anesthésiée avec une personne expérimentée en cas où le malade est sous anesthésique seul, bien sûr en éliminant d'autres troubles de l'hémostase. L'air périphérique, donc l'hématome périponctionnel, c'est une complication qui est rare. Donc le risque c'est quoi? C'est une reprise chirurgicale pour l'hématome. Transfusion, ça c'est extrêmement rare. Et le risque aussi c'est une atteinte nerveuse par rapport à une compression de l'hématome sur les structures nerveuses. Donc les blocs superficiels, le risque est très très faible. Donc, et avec l'aspégique aussi, faire un bloc périphérique nerveux, il n'y a plus de risque. Quoi. Et en plus, l'éco-guidage minimise le risque d'avoir une ponction, minimise d'avoir le risque de l'hématome. Les héparines, il n'y a pas beaucoup de nouveautés apparemment. Bien sûr, comme vous savez, bien sûr que l'insuffisance rénale prolonge la durée de ZPPM. Donc, on doit penser à mesurer l'activité anti-10A, mais ça, c'est en cas où on a de l'insuffisance rénale. C'est pour gérer les HPPM. On a remarqué que la protamine, elle est vraiment inefficace et malheureusement, il n'y a pas d'antidote. Donc, il n'y a pas de nouveauté. On dit toujours que pour la dose préventive, il faut arrêter au moins 12 heures avant la chirurgie et pour la dose curative, 24 heures. Maintenant, on va voir les pathologies qui interfèrent avec l'hémostase. On va parler un petit peu de l'insuffisance rénale. Donc, j'ai trouvé cette méta-analyse qui a essayé de quantifier le risque du saignement cette étude qui a essayé de quantifier le risque de saignement périopératoire chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique.
Donc, les études beaucoup plus ils ont été faites dans le contexte de chirurgie cardiaque. Donc, on a remarqué qu'on transfuse plus les insuffisants rénales, ça veut dire que ça saigne plus. Mais sur le plan reprise chirurgicale, il n'y a pas une différence significative. Donc, on considère que l'insuffisance rénale chronique représente un facteur hémorragique périopératoire. Et on dit aussi que le taux de saignement et le test de fonction plaquettaire, ils n'ont pas beaucoup d'avantages en cas d'insuffisance rénale. Ça veut dire que ça n'explore pas plus l'hémostase dans un contexte d'insuffisance rénale chronique. Et on suggère aussi d'utiliser les œstrogènes en cas d'insuffisance rénale pour pallier au risque hémorragique, mais c'est une suggestion. Et on suggère aussi d'utiliser le desmopressine. Desmopressine dans la gestion périopératoire de l'insuffisance rénale chronique. Dans le but de baisser le saignement. En cas de pathologie hépatique, il y a une balance, la balance tout simplement hémorragique thrombotique, elle est vraiment perturbée. Donc d'un côté, on a augmentation des facteurs thrombotiques, et de l'autre côté, il y a une augmentation des facteurs hémorragiques. Mais, donc c'est d'où l'intérêt de faire un monitorage de l'INR. Il y a la thromboélastographie, malheureusement, qui n'est pas disponible, qui explore l'hémostase de façon générale, et que ça peut être avantageuse en cas d'insuffisance hépatique. On remarque aussi que les insuffisances hépatiques représentent avec des thrombopénies fréquentes, avec en parallèle, il y a de la thrombopénie, mais il y a une augmentation de facteurs, de l'activité de facteurs du bilan. Donc, il y a, de l'autre côté, il y a une augmentation des facteurs thrombotiques et des facteurs hémorragiques à la fois. Voilà, ce qui est sûr aussi, c'est les tests d'hémostase, s'ils sont anormaux en cas d'insuffisance hépatique, ils ne reflètent pas de façon fidèle le statut hémorragique de notre patient si on a une pathologie hépatique. Alors, le trauma, comme vous le savez, bien sûr, il y a des coagulopathies qui sont en rapport avec le traumatisme et qui sont dues à plusieurs facteurs, l'hémodilution, le saignement, etc. Et ici, on a des propositions pour pallier à ça. L'hypotension permissible, limiter le remplissage vasculaire, par exemple. L'administration de desmopressine en cas de trauma majeur avec un choc hémorragique. Maintenant, toujours dans les pathologies qui interfèrent avec l'hémostase, certaines maladies de système, comme par exemple l'amylose, et j'ai trouvé aussi les maladies, enfin on sait ça, les maladies endocriniennes de façon générale augmentent le risque thrombotique. Par contre, il y a une exception, c'est l'hypothyroïdie. Elle augmente le risque hémorragique. Pourquoi? Parce qu'il y a une perturbation de l'activité du facteur de Willebrand. Donc il y a un intérêt en cas d'hypothyroïdie avec une chirurgie majeure hémorragique à penser à administrer de desmopressine. Il y a des inhibiteurs acquis du facteur de la coagulation. On est toujours dans les acquis. Hein. Donc, par exemple, j'ai trouvé que l'athérosclérose sévère, ça interfère avec le facteur de Willebrand et ça peut augmenter le risque hémorragique. Il y a certains médicaments aussi, comme la ciprofloxacine. Et il y a le dépakine aussi. Et même en cas d'infection virale, j'ai trouvé que le risque de saignement est augmenté. Il y a aussi l'hémophilie A acquise, et il y a beaucoup de pathologies. On pense que le gros CS, certains médicaments, donnent perturbation de facteur 8 et une hémophilie A acquise secondairement. Maintenant, on va parler de risque hémorragique. Il y a plein de classifications. Donc, ça, c'est les facteurs intra-opératoires. Donc, chirurgie de l'os, par exemple, osseuse. Voilà. Lorsque l'incision elle est grande, on remarque en parallèle aussi, si on fait de la cœlioscopie, par exemple, ça peut être, ça saigne moins, par exemple. Voilà. En parallèle, on a d'autres classifications. Donc on a le risque toujours lié à la chirurgie. Donc on a ici, on a classifié le risque sur deux parties, donc modéré à sévère et faible. Ça, c'est une notion qu'il faut toujours la prendre en considération. Dans un but de gérer le malade sur le plan hémorragique. Il y a même d'autres classifications qu'ils ont fait à part des risques qui sont vitaux, par exemple la chirurgie, la neurochirurgie ou la chirurgie intraoculaire.
ou le risque d'hématome pour engager le pronostic vital et ou fonctionnel. Maintenant, on va parler de bilan d'hémostase préopératoire. Est-ce que je dois le demander? Qu'est-ce que je dois demander? Alors, on va remarquer que diathèse d'interrogatoire non structurée, elle a une faible performance diagnostique. Donc, de préférence, l'interrogatoire, lors de la consultation d'anesthésie, doit être structuré à la recherche des signes hémorragiques. Pourquoi? Parce que la valeur prédictive positive de l'interrogatoire non structuré, elle est vraiment faible, elle est de 0,02 à 0,23. Donc, d'où l'intérêt de faire interrogatoire structuré avec un questionnaire. Ça a poussé les gens à élaborer des questionnaires à partir des questionnaires qui sont utilisés par les hématologues pour la pathologie pour la maladie de Bill. Donc ça, c'est le premier questionnaire qui a été élaboré en 2010. Mais c'est un questionnaire qui est complexe à faire parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on doit poser et on sait bien que ça va prolonger la consultation d'anesthésie et sur le plan faisabilité, ce n'est pas vraiment faisable. Mais sa valeur prédictive négative, ça veut dire si je fais un questionnaire, je trouve que c'est au-dessous d'un certain seuil, je suis sûr et certain que ce patient-là ne présente pas de pathologie hématologique qui interfère pas avec l'hémostase. Ce qui est bien, il y a une équipe suisse bonhomme, c'est qu'ils ont élaboré un questionnaire qui est simple. En principe, il y a 6 questions. Voilà, hématome, hémorragie, minorragie, la chirurgie, un problème dentaire, extraction, etc., l'obstétrique et le contexte familial. Donc ce score, lorsqu'il est au-dessus de 2, on a trouvé que ça augmente la probabilité de présence d'un sur-risque hémorragique. Donc sa valeur prédictive négative, elle est, en parallèle, elle est vraiment élevée. Ça veut dire ce score-là, lorsqu'elle est au-dessous de 2, je suis sûr et certain que ce patient ne présente pas de risque hémorragique, enfin ne présente pas de pathologie hématologique qui peut poser un problème hémorragique. Mais sa valeur prédictive positive, elle est faible, elle est aux alentours de 40. Ça veut dire que je vais envoyer beaucoup de malades, si j'applique ce score, chez l'hématologue, c'est-à-dire que je vais envoyer abusivement les malades. Voilà ce score. C'est un score qui est toujours en évaluation. C'est un score on est en train d'essayer de l'évaluer dans le contexte périopératoire pour voir la faisabilité, etc. Alors, faut-il faire un bilan d'hémostase préopératoire systématiquement? Malheureusement, aucun bilan biologique ne peut refléter exactement le processus hémostatique. Ça, c'est en rapport avec les conditions de prélèvement aussi, avec la technicité analytique. En plus, on sait bien que le taux de plaquettes ne représente pas la fonction plaquettaire. Donc le bilan biologique qu'on standard, entre guillemets, FNS, TP, TCK, ça ne reflète pas la réalité réellement. Alors, donc, en plus, le pouvoir prédictif de bilan d'hémostase systématiquement est vraiment faible parce qu'il y a une faible sensibilité, une faible spécificité. Regardez là, par exemple, dans une population générale, on peut trouver 5% des TP qui sont pathologiques. Okay, c'est des faux positifs. Et on peut trouver aussi 16% des TCA qui sont positifs malgré qu'il n'y a pas un problème. Voilà, on va passer. Ça, on a aussi analysé le bilan d'hémostase de façon générale. On a trouvé sa valeur prédictive positive, elle est vraiment faible. Regardez, là, elle est aux alentours de 30. Donc, lorsque j'ai un TP perturbé, pas nécessairement, le malade présente un risque hémorragique élevé. Ou les autres. Et c'est un problème. Donc, des résultats normaux permettant-ils d'éliminer une pathologie à risque hémorragique? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de maladies qui ne sont pas explorées par ce bilan. Des résultats anormaux correspondent-ils à une anomalie de l'hémostase à risque hémorragique? Toujours non, parce qu'il y a des problèmes en rapport avec l'analyse, avec la technicité, etc. C'est pour ça qu'on a fait des recommandations. Donc, on commence par l'ASPA. Donc on dit qu'il faut faire l'interrogatoire, etc. Ça, c'est pas nouveau. Donc on dit aussi une recommandation faible d'utiliser le questionnaire. C'est grade 2. Hein.
Par contre, on dit que c'est pas systématiquement, on demande pas systématiquement un bilan, quel que soit l'âge de patient, quel que soit le hasard, etc. Et quelle que soit aussi la technique d'anesthésie. Et on recommande aussi d'envoyer le malade en cas de problème de diathèse hémorragique vers un avis d'hématologie, bien sûr. On parle de l'enfant, mais je préfère laisser ça au Dr Aïch Khadra. Maintenant, on va voir les recommandations anglaises. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est presque la même chose. On dit que le bilan n'est pas systématique, mais on essaie de faire sortir certaines populations où il y a le risque chirurgical majeur, bien sûr, chirurgie intermédiaire par exemple, et on fait rentrer la classification hasard dans le raisonnement de monde de bilan, et la présence des pathopathies et les anticoagulants, etc. Les Américains sont plus prudents, par contre, ils disent qu'il n'y a pas assez de preuves. Donc, on peut pas se prononcer entre guillemets. Est-ce qu'on doit systématiquement demander le bilan d'hémostase ou non? Il faut se faire sortir certains sous-groupes aussi pour demander obligatoirement. Par contre, d'une façon générale, on dit qu'il n'y a pas assez de preuves pour se prononcer. Ce qui m'a rassuré, c'est les recommandations italiennes, parce que c'est presque. Ça ressemble à notre pratique, tout simplement. Eux, ils disent le contraire. Ils disent que est non seulement approprié, mais c'est recommandé de faire un bilan d'hémostase. Pourquoi? Parce que ça coûte pas cher, entre guillemets. Ça, c'est un par le coût de l'intervention et de l'anesthésie de façon générale. En plus, et par rapport au risque de saignement périopératoire. Et en plus, ils disent qu'il n'y a pas assez d'essais contrôlés, randomisés, robustes, pour faire sortir des recommandations dans ce sens. Voilà, donc ça c'est, j'ai mis ça en plus, ça c'est les moyens pour gérer le risque hémorragique périopératoire, donc le pré-op, le pré-op et le post-op. Donc on parle beaucoup plus de la chirurgie mini-invasive, on parle aussi de damage control chez le polytraumatisé, on parle de l'utilisation de l'acide tranexamique. On parle de la desmopressine en cas de pathologie qui interfère avec le facteur de Willebrand. Voilà. Et voilà, une conclusion à la fin. L'identification pré-op des patients à risque, ça représente une étape extrêmement importante dans un but d'élaborer des stratégies correctrices. Donc l'interrogatoire doit être au moins bien structuré, voire même utiliser les questionnaires On attend la validité des questionnaires et la faisabilité. Donc un bilan biologique systématique, l'intérêt des études. Il y a un grand intérêt de faire, bien sûr, des recommandations algériennes dans ce sens. Donc on doit réfléchir toujours dans le sens balance risque hémorragique et risque thrombotique. Je vous remercie. Merci Dr. Boudette de nous avoir invité à aller travailler en MIG, c'est ça? Oui, je les adore. On ira tous au crash. D'accord, donc on passe à la prochaine communication, qui est celle du Dr. Lalawi, médecin réanimateur à l'EHS.